Olé, 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 olé. Olé, olé, oh. Olé, olé, olé. Là, votre boubou derrière. Boubou est derrière le dos. Boubou est là au dos. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons la nuit. Olé, 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 chantons l'amour. Vous avez vu votre bumbo? Elle est au dos. Là, pour moi, elle est me déshabiller. La tâche est là-bas. La tâche. La tâche là-bas. Ne bouge plus. La tâche bumbo au dos. Voilà. Le bumbo au dos. Olé, 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 Bumbo, 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 Yama. Le mot, c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot de ça. Le mot, le mot, le mot, le mot. Dis bonjour. Dis bonjour là-bas. La première fois que je me tourne sur le dos, on a la main sur le dos. Ça lui fait bizarre. Tenez, dans ce moment-là, comme ça, je me comprends pas là. Je suis dans quel monde là? Vous ne me comprenez rien du tout. Alors, elle est venue me mettre sur le dos. Elle ne sait pas que c'est sa punition. Hein. Elle sait pas qu'elle n'est pas encore excusée pour ce qu'elle m'a fait. Elle sait pas que là où elle est punie là. Mon beauté est punie, hein. Bumbo est fini là. Connectez-vous, 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 j'ai le japap. Eh maman. J'ai le japap. Eh papa. Langa de la bâche folle m'a donné son scoop. Aïe, maman. Bon, au menu aujourd'hui, il y a le poisson brésil, les barres, hein, les barres frais et le poulet brésil. Mais il n'a pas compris, même ça, il n'a pas vidé. Oh mon Dieu. Oh, punaise. Oh non, il devait vider. Ma fille va vider, hein, parce que moi je ne connais pas vider. Ah, il n'a pas vidé encore ça aussi. Tu vas vider, maman. Moi, il ne connaît pas vider le ventre, le poulet. Hein? Mm-hmm. Il vide ça, pardon. D'abord, tu as un peu de poisson dans. Oh, il n'a pas vidé. C'est le poulet qu'on va poser. Il va dire. Oh, maman, il va tremper le poisson alors. Hein. Mm-hmm. Maman, il trempe le poisson. Tenez le poulet. Mm-hmm. Oui, tu flammes d'abord. Hein. Moi, je veux laver le poisson ici. Avant de les tremper. Ouh, ils sont gros, le poisson là. Belle idée, hein. Tu vas couper. Non, on coupe pas. Tu vas rincer. Et tu aimes quoi avec toi? Je sais que c'est ta belle-mère, ça part. Je sais. Je sais très bien que c'est ta belle-mère. Je le sais. Je le sais. C'est vrai que la tête du poisson, c'est souvent, il y a le sable et la malle. Si tu ne laves pas ça bien, tu dis, c'est un peu pour toi. Quand tes invités mangent, ils disent, oui, il y avait du sable dedans. C'est pas bien lavé. Le secret, le secret. Vous voyez, non? Voilà, ici. Ouais, juste ça.
Et dis, demande un peu à la matinée si elle a le miel, justement. Elle a le miel. Oui. Ah oui, quand me donne un peu de miel, je fais le miel au chipsy. J'ai acheté le citron. Oui, s'il te plaît. On apporte. Oui, non, mon père, il est plus là, il pousse, il pousse. Il n'arrive même pas à pousser. J'ai acheté le citron. Il n'y a pas le miel à vos machines. Je vais tremper ça, me donne du vinaigre avec du citron. Donc, voici le morceau. Voici pour mon père. Tout ça, c'est pour mon père. Ça, c'est pour mon père. Et voici pour mon grand frère et sa femme. Je lave d'abord. Je lave d'abord ça bien. Bien. Voilà. Pour mon grand frère et sa femme. C'est pour là. Voilà. Voilà. Ça dans du sel, je vais tremper dans du sel et du vinaigre et du citron. Et ça là, c'est pour bon, la personne qui va s'inviter. Hein. C'est pour la personne qui va s'inviter, ça. Voilà. Et voilà. Il y a le poulet aussi que je vais briser. Donc, vous avez vu le morceau de mon père. Hein. Il va faire le citron que j'ai acheté. Il va être content. Maman, arrêtez bien vos gars, ne blaguez même pas. Arrêtez bien vos gars. Hey. Maman, j'aime quand il y a la compétition, ça fait que je... Quand j'entends qu'il y a un gars qui est en train de se vouloir entrer dans la compétition avec moi là, j'assure encore jusqu'à... Quand il n'y a pas la compétition, vous vous vantez, non? Moi, j'aime quand il y a la compétition. J'aime quand il y a la compétition, qu'il entend que hey, ton gars drague tel gars. Il dit que... Hein? Je mets mes batteries pour séduire encore bien mon gars. Donc, oui, et ce qu'il faut faire, les filles, c'est ça, c'est comme ça. Bon, moi je ne complique pas trop mon poulet. Hein. Mon poulet, je mets voilà, les condiments verts qu'on a déjà écrasés. Ça, c'est pour le poulet, avec un peu de mayonnaise. Et le poisson, c'est les condiments du poisson là. Voilà. Moi, je ne complique pas. Très facile. Très, très facile. Complique pas. Moi, Pépé ne complique pas ces choses. Moi, je ne complique pas. Là, je vais m'occuper du citron de mon chéri. Je découpe d'abord son citron. Un an. Attendez, on va voir si un an. Hey, c'est comme si elle avait dormi. Comme si elle avait dormi. Ça fait du bien. Ceux qui seront là le 11 juillet, ils vont bien manger. Parce que moi, je serai au four, moi. Moi, je vais toucher ça. Mon citron. Oui, non. Maintenant, quand c'est comme ça, là, mais ça, ton gars, c'est toi qui t'occupe de ton gars. L'angalé d'Oise, c'est moi là pour choc, non. Comment le citron, mon gars, pardon. Oh, il n'y a même pas de jus dedans. Il met ça dans le poisson, là. Comme il n'y a pas de jus dedans, il met ça dans le poisson, là. Oh, oh, il n'y a pas de jus dedans. Un bon citron. Ça ici. Mets ça dans le poisson là une fois. Comme il n'y a pas assez de jus, je mets comme ça. Comme ça. Je mets ça dans le jus. Mmh. Mmh.
C'est du vinaigre, hein. C'est du vinaigre que je mets dans le poisson. Je mets du sel. Attends déjà, attendez deux secondes, je me vais donner à son grand-père. Même pas la bouteille pour garder. Bumbu, elle est dehors déjà. Elle est partie dormir avec son grand-père. Elle n'était pas habituée au dos. Le dos, non? Ouais, papa, toi aussi nettoie son nez là-bas. Non, prends les lingettes là. Tiens les lingettes, sort. Tiens les lingettes, non, et salon. Il y a les lingettes, on avait les petites lingettes de poche là, sur la table, à coucher là. Il dit qu'il vient sur son nez. Voilà. Une dose, comment ça va, non? Vous ajoutez encore un peu. C'est trop. Oui. Non, ça va. Mon père a tout. Il fait le miel. Le sucre. Ah, elle s'est réveillée. Elle était bien là sur mon dos. Elle était venue te donner. Moi, j'ajoute encore un peu de sucre. Je vais vous garder ça. Jamais sans mes vitamines. Ça part ici seulement. Hey, tu as oublié, tu as demandé pour le bâton là. Maman, il y a une maman ici là qui fait le bâton. Bâton là non. C'est le fruit, il faut que commande pour partir avec. Le bâton là. La magie du bâton. Ah, c'est beaucoup plus sur commande. Oh, elle est gentille. Hein. Je vois son fils en train de monter le bâton. Je lui dis que, hey maman, quel est le bon bâton comme ça, alors que c'est pour moi qu'on venait donner. Je te jure. Il est venu hier là-bas, il me dit que c'est maman qui a envoyé. Oh, j'étais contente. Vous là qui préparez le poulet blanc blanc, regardez comment on chambre le poulet. Regardez, attendez, je vais vous montrer. C'est pas... Vous avez vu, non? Il faut faire comme ça là. Il ne faut pas prendre le poulet tout de suite. Hein? Tout de suite là. Vous prenez, vous mettez dans la marmite. On ne fait pas comme ça là, vous avez compris, non? Hein? Voilà. Vous avez vu comment on fait. Voilà. Il dit ça. J'entends encore que vous avez pris le poulet. Vous avez coupé comme ça, vous avez mis dans ma mite. Sans d'abord. Vous aimez quand il fait la folle comme ça? Vous aimez bien quand je suis un peu toc-toc, hein?
Vous aimez ça, hein? Elle sait un peu pas. Maman, j'ai le japa. Mais je vais vous donner le japa vers 17h. Moi, je ne vous donne pas rendez-vous dans 6 mois. Hein. J'ai le japa frais, frais. Frais, frais. Ça a le goût quand je m'assois. Et puis, je vous donne ça. Bon. Parce que là, il faut que tout le monde écoute. Je n'aime pas qu'on vienne voir en différé. Là, certains de la TK se sont au boulot. Je vous parle dans ce comment on a coupé la dernière fois, non? Là, c'est pour nous-mêmes. Oui, c'est pour briser. Tu vois, non? Comment on a coupé la dernière fois? Là, on va bien manger ça parce qu'elle va beaucoup de gens. La dernière fois, tous les enfants là, tout le monde là. Pourquoi le miel est lolo comme ça? C'est normal. Ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas du tout. J'ai le japa. Frais, frais. Frais, frais qu'on a pris comme ça au frigo. On a dit qu'on a me donner la coupe. Et c'est qui? C'est l'anga de Bouripo. Hihi. J'arrive. Deux secondes, je vais donner. Je vous avais dit, c'est que quand on est Ngringa, tu peux mettre tout sur la terre, ça te va. Tu mets le kaba, tu mets le akulo. Je vous montre comment j'ai trempé le poisson. Parce que le temps, on prépare d'abord. On attend que les autres sortent du boulot pour lancer le jambap. Je vous montre d'abord comment j'ai trempé le. Donc là, j'ai mis le citron. Ouais, non, c'est le truc, comment on appelle ça? Le sel. J'ai versé beaucoup de sel et du vinaigre. Ouais, non, j'ai versé. Le poisson est bien frais, vous avez vu. Comme ça, quand on voit que le poisson est bien frais. Quand tu mets le sel là-dedans, comme ça, là encore, tu regardes l'intérieur. Tu vois, non? Voilà. Tu comprends que le poisson est bien frais. En fait, le vinaigre là, ouais, non, regarde, le poisson est frais. Très frais. Donc, et je mets ça comme ça dedans. Je vais laisser d'abord jusqu'au moment où je vais vouloir assaisonner. Je vais rincer une seule fois. Hein. Je vais rincer et je vais mettre le cube sur toutes les parties où j'ai incisé là. Je mets le cube, je mets un peu de sel pour que ça pénètre. Donc là, je vais laisser d'abord au moins 30 minutes hein, là-dedans, avant de le sortir. Et ma fille m'a fait le condiment, elle écrase très bien à la pierre. Et tout le parfum reste quand elle écrase à la pierre comme ça. Là. Il faut qu'elle me donne des coups, qu'elle m'apprenne à écraser sur la pierre comme ça. Je rentre sur la pierre. Oui. Maintenant, pour le poulet. Le poulet, je vais mettre... Ça, c'est du poivre. Ah, voilà, j'ai le poivre blanc ici. Ça, ouais, non, je mets des cubes dedans. Ça, c'est
Trop bon, ça sent trop bon, trop bon. Le poulet, je mets le cul, le pain, le poivre, le sel. Ouais, le combo, ça, les ça, le combo, ça, les ça. Mamie, combos. Voilà, le poulet, là, voilà, c'est bien comme ça, comme tu as coupé, là, c'est bon. Mon poivre que j'ai ramené. Je vais mettre un peu ici. Je mets la mayonnaise. On met le cube. Si tu veux, tu ne mets pas la mayonnaise, tu mets la moutarde. Tu peux mariner avec la moutarde aussi. Hein. Mais la mayonnaise, moi j'aime la mayonnaise parce que ça me donne un autre goût. Quoi. Ouais, avec la mayonnaise. Donc pas. Pour un poulet, tu mets juste 2 cuillères et demie. Hein. 2 cuillères et demie à soupe. Hein. Pas exagéré. Hein. Pas exagérer. Et le piment, maman, si tu veux vous goûter son piment, oh, le feu et ça. Le piment ne complique pas. Aïe, ginger. Pour que ça pique, non. Si tu mets l'oignon, fais en sorte que le piment ne pique pas. Donc, moi, je n'aime pas mettre l'oignon dans mon piment. Quand tu mets l'oignon là, c'est pour faire que ton piment ne pique pas. Moi, j'aime que le piment pique. Oui. Le piment pique. Voilà, là, j'ai mis des comme ça. Non, sinon c'est du poisson. Je vais rentrer sur les cours de cuisine. Au moins 2 fois par semaine. Parce que moi je ne peux pas toujours pour 2 jours. Donc 2 fois par semaine, je vais vous donner des petits cours de cuisine. Des petites touches. Hein. Des petites touches. Hein. D'accord. Des petites touches comme ça. On coupe un peu, non? Voilà. Ça, c'est fait. Hein? Ça, c'est fait. Quand vous mettez le citron comme ça là et du vinaigre dans le poisson et du sel, ça fait comme l'odeur du poisson, l'onjel là, l'odeur là, on sent plus, on sent plus, on sent plus rien là dedans je vous jure, on sent pas. Pape 10 connaît quoi que le père est calé à grippé quand même, pourquoi? Parce qu'il connaît que je connais. Ha! Belle. Le poulet, faut mettre un peu de vinaigre toujours pour laver. Vous savez que là on va nettoyer nos poulets, là on ne sait pas dans quel eau. Mais... on ne sait pas dans quel eau les gens lavent notre poulet. Oh, 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 oh. Ouhou. Le Seigneur qui nous protège, c'est bon au pays vraiment. Mais quand tu ne pas voir là d'où tu ton poulet, là on nettoie ton poulet, tu n'as pas envie de partir là-bas. Mais allez nettoyer, vous venez me donner ici. Très bon. Persil, céleri, poivron. C'est le poivron ou c'est le poireau le long? Poivron. Poivre. Non. C'est quoi comme le piment là, c'est quoi? Poivron. Poivron. Ginger, ail. Pour le poulet. Parce que le condiment du poulet ne doit pas être...
ne doit pas avoir l'onion sans. Donc ça c'est pour le poulet. Et tu mets maintenant 2 cuillères comme ça et demi de mayonnaise. Tu mets sur le poulet, tu marines, tu poses d'abord à côté, tu attends. Tu marines bien avec du cube et tout. Hein. Et j'ai mis là maintenant, vous avez vu, j'ai mis le poivre. Donc du coup après, je vais mariner là, tout de suite là, tout à l'heure, quand on finit de couper, je vais mariner. Après, on attend. Hein, on attend. Parce que là, je vais mettre ça au feu à partir de à 12h30. Je mets au feu. Parce que j'aime quand on mange chaud. 12h30, je mets déjà au feu. Voilà. Donc du coup, je vais laisser. Et le poisson, je vais faire pareil. Voilà. En attendant, je coupe un truc en vous disant que il y a le japap. À la place de la mayonnaise, vous pouvez mettre la moutarde. Hein? Ouais, il y en a qui mettent la moutarde. Donc, vous pouvez mettre la moutarde. Moi, je préfère mettre la mayonnaise pour assaisonner mon poulet. Il avait moi, il m'aide à préparer. Après le soir, il va s'envoler. On va pas savoir où il part. Le soir, il est parti. Le soir, il n'est plus à moi. La journée, comme ça, il m'appartient. Il avait moi à la maison. Et c'est la journée qu'on fait tout à la maison. Le soir, là, je prête aussi aux autres. Non, mon frère. Il faut aussi faire profiter. Il faut qu'elle profite sinon. Comment? Oui, chérie. Non, ça va, non. Regarde, insiste ça comme ça pour que ça puisse. Voilà, comme ça là. Fais comme ça. Écarte ça. Voilà, pour que ça puisse cuire à l'intérieur. Mm-hmm. Voilà, tu te laisses comme ça, c'est bien. Voilà, la partie du ventre là. Il faut faire. Tu ne coupes pas complètement. Attends, moi je vais le montrer. La partie du ventre. Il faut faire comme ça pour que ça puisse à l'intérieur. Comme c'est comme ça. La partie là, vous connaissez la partie là, non? Tu fais comme ça juste. Hein? Et puis vous assaisonnez. Que ce soit présentable, que ce soit beau. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde chez moi, donc on va bien manger, nous. Mais c'est comme si les gens la sentent souvent qu'ils ont été préparés, mon frère. Ils vont débarquer ici. Surtout que je prends à l'air libre. Bah oui. Maintenant, on aura un problème de bâton. Hein. Bon, là. Bon bâton. Hein. J'ai pas voulu prendre les biens d'or à vos machines au fond parce que le travail là. J'ai aussi les petits plantains là pour les enfants. Et le plantain là, j'ai eu fruit. Il y a encore le plantain que j'ai laissé hier. Le plantain. J'ai acheté le plantain de 1000 francs hier. J'ai fruit seulement un peu. Tu vois, non? Donc j'ai eu fruit encore. Là. Je vous ai dit que j'ai le japapé. Aujourd'hui, 16h30. Ça va se savoir. Ça va se savoir. J'ai dit ça. Le Congo, c'est ça. Aujourd'hui. Je suis contente de mon poisson, j'ai fait une belle affaire. Je le prends déjà, je lave. Hein? Mm-hmm. Enfin, le poisson ici. En fait, j'avais mariné pour qu'ils voient, donc j'ai envie de montrer comment je marine. Je mets ça dans le beurre, c'est le beurre qui est en haut. Non, ici. Non, là. Oui, mm-hmm. Ici, là, je mets le poisson. Ce que dehors, là, il faut que je couvre. Hein. Mm-hmm. Voilà, je lave le poulet. Hein.
prendre le couteau là. Comme on a chambré et puis il faut un peu nettoyer quand même là où on fait passer là. Comment est la tête là? Ah, c'est beaucoup pour moi, j'aime. La tête, là. Ah, c'est beaucoup que j'aime. Ah, dans la tête. Le cou, les ailes. Qui va manger le Jésus? La sorcière, tu sais qu'elle est la sorcière qui ne peut pas manger le Jésus, mon frère. On ne sait pas. Il y a certaines qui sont sorcières ici dehors. Elle ne peut pas manger le Jésus alors que nous, on sait que le Jésus, là, c'est pour le père. Mais elle se permet carrément de manger. Il faut bien la vie. Pâte. La cuisse. Voilà, un point aussi, c'est le poulet. Vous voyez les fesses là, il faut souvent couper, toujours couper ça. Il y en a que j'ai pas, je suis partie chez eux, j'ai mangé ça, le truc qui est derrière là. Il faut couper, c'est la saleté. Cette partie là, c'est une partie qu'il faut enlever. Ça là, c'est mon père qui mange ça, moi il mange pas ça. Mon père qui mange ça, moi. Maintenant, on va mettre un peu de sel, un peu de cube, d'accord? Je prends du sel. Et maintenant, un. Oui, je vais garder. Je vais poser d'abord à côté. Bon, comme j'ai les ongles, je vais appeler ma fille. Elle va faire comme ça. Parce que ça rentre dans mes ongles, là, ça m'énerve. J'aime pas. J'aime pas ce travail avec les gants. Hein. On prend les coups, hein. Yeah. Hugues qui m'appelait souvent pour me demander que maman Pépé, tes condiments là c'est quoi? Maman Pépé, pour préparer ça, il faut faire quoi? Oh. Hugues! Agnès?
Bien, maman, pardon, viens d'abord me mariner ça là, comme j'ai le. Comment on appelle ça? Mes ongles, non? Mmh. Bon, vous voyez, non? Je mets comme ça. Je mets comme ça. Et maintenant, je mets comme ça. Elle va faire au fur et à mesure, on va goûter. Pour voir. Tu me relaxes ça avec tes mains, oui, puisque moi j'ai le vernis. J'ai le vernis. J'ai... Voilà. Tu viens faire ici. Oui, fais-la comme ça là. J'apporte un petit peu comme on ne sait jamais. Peut-être qu'il va falloir. C'est vrai que le poivre donne un bon coup au poulet. Hein. Nickel. Le sel est. Le cube est. On ajoute encore un peu de condiment vert. Prends comme ça. Prends une pincée. Voilà. C'est bon. Je sais que vous voulez déjà voir. Vous voulez déjà voir le goût de ça. Tu peux bien manger ça comme ça. Hein? Tu peux bien manger ça comme ça même. Non, comme on a mariné, non. Maintenant, je vais couvrir, je laisse d'abord avant de briser. Vous avez vu, non? Super. Merci, chérie. Ils ont. Ils sont rapides souvent. Les gens se coupent souvent l'eau. Ils sont rapides pour couper l'eau. Je vous jure. T'as vu, tu te mets l'eau, tu la mets d'abord. Je vais mettre la sauce. Ça va, il y a un sauce. Là, si nous coupons l'eau, si tu t'attends, nos parents coupent l'eau, n'a pas. Là, ils ont coupé là. Là, tout ça. Là, je vais couvrir. Vous le couvrez avec la maman aussi. Voilà. Maintenant. Excusez-moi deux secondes. Donc, là, je vais faire ça et maintenant, comme j'ai apprêté tout comme ça, tout est déjà prêt. Il faut seulement allumer le feu et mettre au feu. Entre temps, je vais aller laver ma petite fille. Là, il faut laver ma petite fille. Je pense qu'elle est déjà midi là. Je la lave déjà. Et là, elle dort. Le temps que je suis allée au marché ce matin, je ne vais pas laver. Je vais tout enlever d'abord. Avant de... C'est vrai qu'au Cameroun, avec la chaleur, il y a des mouches. Donc, je voudrais tout laver une fois là maintenant. Les mouches sont souvent mal élevées. Très mal élevées. Elles ont qu'elle est. Les réserves d'eau. Elles sont les coussins.
sans pavétir, mon frère. En plus, je suis à côté du château. Hein. Ça n'empêche, on me propose souvent le week-end deux jours. On avait à laver le poisson tout autour. Hein. Parce que là, je vais seulement rincer le poisson, je ne veux pas laver. C'est ça. C'est la chance. Oh yes. Et que le poisson attire les mouches. Je vous dis que j'ai les affaires. Je vous dis ça. Voilà. Là, c'est après ça, je vais passer de côté. Ça rince. Voilà. Ça, je le mets en place. J'appelle pour demander ce que je vais me voir. Il n'y a pas d'argent pour acheter les gens. Si j'avais l'argent, on achetait à me prendre. Hein. On va boire les bières, on est au pays, il fait chaud. Hein. Pose mes contenus ici. Et je pose. Alors ça, il faut laver ça. Ça va tirer les mouches. Bah, je vais vous laisser d'abord en enjeu. J'ai le japa, vrai, je manque pas. Donc, connectez-vous là vers 15 à 16 heures. Je vais vous faire le japa. Vous voyez que le poisson là, c'est trempé là. Les mouches ne viennent pas. Parce que ça n'a pas l'odeur. L'odeur. Là, on voit comment ça a changé de couleur même. Parce que le vinaigre et le truc, ça fait cuire même un peu le poisson. Attendez, je vais vous montrer. Tout à l'heure, c'était rose, vous avez vu, non? Maintenant, regardez. Ce n'est plus très rose. Là, on change. Non. Mais tu sens le poisson bien frais. Très, très frais. Et la tête, là. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. D'accord? Pour le gros scoop que j'ai là. Bisous là-bas. Je vais voir le type là, comme je lui ai donné, remettre là tout pour voir si sa petite fille ne dort pas. Je lave une fois. Bisous, bisous, à tout à l'heure. C'était votre seul et unique chancelière, le 10, le pape de Facebook.